personnalité de bien vouloir nous rejoindre. Tout d'abord, monsieur Marcel Gauduchot, donc premier vice-président du Conseil général de la Vendée, président de la commission des sports. Monsieur Loïc Bouard, Luc Bouard, donc le maire de La Roche-sur-Yon, monsieur Luc Bouard. Monsieur Joël Soulard, représentant donc conseiller régional, représentant le Conseil régional des Pays de la Loire. Monsieur Gérard Villette, le maire de Chantonnay et vice-président du Conseil général. Monsieur Eric Cougnon, le président de la société Yves Cougnon. Monsieur Hubert Willing, directeur commercial Centralens Habitat. Madame Michel Pudet, administrateur du Crédit Agricole Atlantique Vendée. Et Anne-Lise Sozo, qui est donc Miss Vendée 2014. Ouais, elle est où Miss Vendée? Ah, là voilà. On l'a séparé de Gérard Villette. Donc, voilà le podium. Vous avez raison de les applaudir. Ils assurent le succès du Tour de Vendée. Merci, merci à Auville, donc de Chantonnay, de La Roche-sur-Yon, au Conseil général de la Vendée, à la région des Pays de la Loire, et puis aux partenaires privés, notamment la société Yves Cougnon, représentée par Eric Cougnon. C'est 35 ans de partenariat. Nous avons également, donc, Centrale Habitat avec Hubert Willing et également le Crédit Agricole Atlantique Vendée, partenaire depuis la création. Maintenant, nous allons commencer la cérémonie protocolaire et voilà Anne-Lise qui va... Ah. Et pourtant on a répété hier à Pompidou. Voilà, de l'autre côté, très bien. Voilà, nous allons, on peut commencer. Les coins sont là, à la troisième place. Vous l'avez applaudi sur les routes du Tour de France. Vous l'avez applaudi au championnat de France. Vous l'avez applaudi ici aujourd'hui encore sur les routes du Tour de Vendée, accompagné de Lila et de Maë. Nous accueillons Thomas Vauquer. Thomas Vauquer qui rejoint le podium. Voilà Thomas Vauquer, donc à la troisième place de l'épreuve, à la deuxième place, il a été champion du monde junior, et il a gagné au Tour de la Creuse et le Circuit du Morbihan, Olivier Le Gac, champion du monde junior, il a été avec l'équipe de France. Et sur la plus haute marche du podium, il est le vainqueur de cette 43e édition du Tour de Vendée, Armito Fonseca, le coureur de l'équipe Bretagne Sèche Environnement, Armito Fonseca, qui rejoint le podium. Et maintenant, eh bien, monsieur Marcel Gauduchot, donc premier vice-président, puisque Thomas Vauquer gagne les sprints intermédiaires et gagne également le trophée du plus combatif. Maintenant, les remises de médailles. Tout d'abord, la médaille, donc, pour Thomas Vauquer, le troisième de l'épreuve. Quel champion, quatre fois vainqueur d'étape sur les routes du Tour de France, septième d'un championnat du monde, double maillot jaune sur les routes du Tour. Il a tout fait pour gagner chez lui en Vendée. On l'applaudit encore, Thomas Vauquer, à la troisième place de l'épreuve. Mais il y a Maë qui a dit, c'est pas grave, moi je gagnerai en 2035. Et il a raison. La médaille d'argent va être remise maintenant à un jeune Breton que vous allez accueillir avec le même enthousiasme que pour Thomas. Il représente lui aussi l'avenir de notre cyclisme, Olivier Le Gac, champion du monde junior. Voilà, Marcel Gauduchot va remettre maintenant la médaille d'or au vainqueur de la 43e édition du Tour de Vendée. Il a brillé aux 4 jours de Dunkerque, au circuit Getxo. Il a gagné aux boucles de la Mayenne. L'ovation, Armito Fonseca, le coureur de l'équipe, donc Bretagne Sèche Environnement. Voilà, nous allons avoir maintenant bien la remise de, donc nous allons la médaille, donc remise aux trois premiers par Marcel Gauduchot, représentant donc Bruno Renaud de la société Yves Cougnon, qui remet le trophée de vainqueur, le trophée de vainqueur de l'édition 2014 à
Maintenant, nous allons... Vous faites briller bien la main.